C'est toujours impossible jusqu'à ce que l'on le fasse. Nelson Mandela, n'ayez pas peur d'avancer lentement, mais ayez plutôt peur d'être immobile. C'est un proverbe chinois. Chers amis, chers investisseurs, bienvenue dans notre rubrique Écho de nos portefeuilles de ce lundi 26 septembre 2022. Avant de démarrer, je tiens véritablement à remercier tous ces amis, tous ces leaders, tous ces investisseurs qui nous ont motivés à désormais passer par la communauté YouTube, si vous voulez, ou directement par notre chaîne principale, Gnognon TV. Et par la suite, ou bien par ricochet Gnognon Business TV pour vous donner toutes les informations dont vous auriez besoin du lundi au vendredi de façon plus visuelle. Ceci va vous permettre de toucher et de voir tout ce qui se, en fait, toutes les sources que nous utilisons pour vous fournir au quotidien, en tout cas du lundi au vendredi, des informations lesquelles ont permis à plus d'un de rationaliser son investissement. Chers amis, la première des choses que vous allez faire, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment important. En ce faisant, alors vous serez dorénavant informé de tout ce que nous faisons par ici, que ce soit sur notre chaîne Union Business TV, c'est-à-dire la chaîne qui permet à tous les abonnés d'avoir les opportunités d'investissement à partir seulement de 10 dollars, multiplier, avoir 5 sous de revenus par semaine, avoir des milliers de sous de revenus, ce qui permettra aux uns et aux autres d'être plus équilibrés, même si une source disparaît. Alors, chers amis, vous venez juste ici, vous cliquez et vous vous êtes abonné. Vous venez au niveau de ce logo, c'est le logo donc, de WhatsApp. Ça vous permet de rejoindre notre groupe WhatsApp dans lequel toutes les informations relatives aux opportunités, les débats se mènent là-bas et ça vous permet, le groupe-là, une fois intégré, ça vous permet également d'avoir des gens derrière vous avec vos opportunités, si vous voulez. Est-ce que c'est le marketing de réseau? Est-ce que c'est les plateformes d'investissement? Alors, en dehors, donc, si vous êtes abonné ici, je pense que retournez sur la chaîne principale. Si vous ne l'avez pas encore fait, retournez sur la chaîne principale et faites la même chose. Je pense que ce ne sera plus compliqué. Vous venez juste là, vous cliquez, vous êtes abonné, vous montez un peu, vous cliquez là, vous êtes également abonné. Chers amis, nous allons démarrer. Nous allons démarrer, mais avant, il ne sera pas inutile de rappeler une fois encore les différents points qui seront abordés. Donc, au cours de ce numéro, il ne sera pas inutile de rappeler encore une fois les différents points. Donc, les monnaies en pré-vente et en leasing. Les monnaies en pré-vente et en leasing, nous allons aborder ces monnaies-là tout de suite. Les monnaies en migration, c'est important de le savoir, les astuces pour repérer rapidement ces monnaies en migration. Nous allons revenir sur ces astuces-là. Des pièges à éviter en ligne, c'est très important sur les médias sociaux. Vous allez rencontrer assez de choses. Prudence, la variation donc des prix de nos actifs. Et actions et obligations à prix des bananes dans lesquelles vous pourrez investir. Donc, vous restez jusqu'à la fin parce que nous allons vous parler également des actions et obligations de la bourse régionale, les 10 premières actions de la bourse régionale des valeurs mobilières. Là, on est en Afrique de l'Ouest. Nous allons parler justement de CAC 40, donc les 40 premières, les 40 plus grosses capitalisations boursières des entreprises ou sociétés européennes, si vous voulez. Nous allons parler de S&P 500, nous allons parler de comment vous appelez, nous allons parler de Nasdaq, nous allons parler de Dow Jones et nous allons parler de plusieurs autres choses. C'est vraiment important. Je passe par ici pour rappeler à chaque membre de la communauté que nos formations en trading des indices synthétiques, nos formations en trading des crypto-monnaies, nos formations en trading des indices financiers,
et de formation en trading des parcelles virtuelles sont toujours en cours. Donc, vous pouvez à tout moment nous contacter pour vous inscrire. Bien sûr, à des prix bananes. Un coucou à tous mes amis de l'autre côté, donc de la safe zone. Chapeau à vous, nous avons des tutoriels en préparation pour vous, lesquels vous permettront justement d'être plus rassurés dans vos investissements. Chers amis, nous allons donc commencer par les monnaies en migration, comme nous l'avions dit. Et donc, attention, tout ce que nous faisons par ici, prenez-les comme de divertissement, c'est très, très important. Faites toujours vos propres recherches ou, pour ne pas dire, investissez toujours l'argent dont vous n'auriez pas besoin le lendemain en bourse. C'est très important, c'est la règle de base. Et vous savez, vous n'avez pas le choix, nous n'avons pas le choix que d'investir si nous voulons réellement changer notre style de vie, si nous voulons passer de l'autre côté du cadran. Donc, nous allons explorer pour le compte de ce numéro du lundi 26 septembre 2022, nous allons explorer deux sites. Le premier site, c'est Pincel, pour voir un peu les monnaies qui sont en pré-vente et les monnaies qui sont sur le point d'être listées. Alors donc, le lien sera déposé en bas de ce tutoriel, de ce numéro, pardon, rubrique, de ce numéro, de cette rubrique Éco de l'Opportunité, le numéro 1 d'ailleurs. Alors donc, ici, comme vous pouvez déjà le voir, nous avons plusieurs monnaies qui sont en pré-vente, d'accord? Toutes ces monnaies sont en vente directe et comme nous avions l'habitude de vous le dire, le minimum à prendre en compte pour investir dans ce que nous appelons le soft cap doit être au moins à 100, au moins à 100 BNB, au moins à 100 BNB. Donc, quand vous voyez ici, par exemple, on dit la monnaie, le nom de la monnaie, c'est quoi déjà? Laissez-moi convertir tout ceci en anglais parce que ça me sera plus facile de me retrouver puisque en français, les termes sont souvent déformés. Un instant, je vais traduire rapidement tout ceci en anglais. Là, c'est parce que quand on dit, voilà, ici, nous avons le token, le nom de ce token, par exemple, T2C, token for, etc. Vous voyez, c'est 50 à 100. Donc, quand ça atteint 50, on peut déjà lancer, ils peuvent déjà clôturer. C'est-à-dire que ce token ne sera plus, ce produit ne sera plus annulé. Et le risque est que les gens peuvent partir simplement avec vos sous. Si c'est minimum 100 $, alors le projet, c'est déjà, en fait, ça inspire plus ou moins confiance. Donc, tous ces premiers tokens que vous avez là, en tout cas, moi, je ne vais pas investir dedans. Donc, regardez, voilà, ici, par exemple, lorsque vous voyez, on met 300 BNB à 600 comme soft cap, donc le minimum, c'est rassurant. C'est plus ou moins rassurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les 300 ne sont pas atteints, alors vous avez la possibilité d'aller faire ce que nous appelons refund, d'aller retirer, donc, pas simplement vos sous. Et ici, je pense que c'est à venir. C'est à venir. C'est pas encore lancé. On va voir s'il y a d'autres en direct. Voilà, il y a des ventes qui ont déjà pris fin ici. Etc. Ici, minimum, c'est 100. Comme on est un peu important, ces projets-là, vous voyez, tout ceci c'est de n'importe quoi. Regardez, Elisabeth, deux coins, privacy, le lobbyiste qui ne sait rien, il va courir pour aller investir dedans et patati patata, les gens disparaissent avec leurs sous. Faites très, très attention ici, c'est en, voilà, 20 BNB. Tout ça, dans la plupart des cas, hein, c'est des scams, tout simplement. Donc, vous devez faire très, très attention. On ne va pas trop épiloguer ici. Et donc, lorsque vous venez sur la plateforme comme ça, vous faites votre choix sur la monnaie. Alors, si la première condition est remplie, vous cliquez juste sur la monnaie, d'accord? Vous cliquez juste, ça vous renvoie sur la plateforme devant vous permettre de savoir les dispositions pratiques à prendre, c'est-à-dire mais les informations plus détaillées. Cette monnaie, par exemple, ça va démarrer dans 9 jours, 9h49 minutes. Donc, normalement, quand vous cliquez sur la monnaie, ça doit vous renvoyer vers la plateforme. Mais là, je suis en train de cliquer là-dessus, ça ne me donne pas la main. Je vais descendre encore un peu pour voir. Voilà, vous cliquez sur Viewpool, d'accord? Quand vous cliquez là-dessus, vous verrez est-ce que la monnaie est soumise au vesting et tout ce qui va avec. C'est vraiment important. Alors, donc, ici, vous avez et vous descendez, donc vous verrez le token, ce que nous appelons, comment vous appelez ça? Vous verrez une brève idée sur la feuille de route, etc., etc. Voilà, vesting for projects. Vous voyez un peu? Donc, cette monnaie est déjà soumise au vesting. Faisons très, très attention. Donc, faites vos analyses, faites vos études et puis paf, c'est parti. Alors, chers amis, je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est important. Nous allons passer rapidement au second.
au second site, d'accord, connu sous le nom de ICO Jobs. Les liens vous seront déposés en bas de ce tutoriel sûrement. Et là, vous verrez voilà, ICO actifs, les ICO qui sont actifs. Je pense qu'on a déjà, on avait parlé de cette monnaie-là dans un tutoriel hier, je crois bien. C'est une monnaie, c'est une fan token. C'est une fan token. Voilà, donc vous pouvez voir dans quelle mesure investir dedans. Ça va finir dans deux jours. L'ICO, et qu'est-ce que dit? Et la FTO, d'accord, fan token offering. Et voilà, donc vous cliquez chaque fois sur ces monnaies-là. Voilà, vous avez même notre monnaie africaine, Sangocoin. Donc, l'ICO va terminer dans 308 jours. Alors, donc, voilà les informations aux autorités en ligne. C'est très important. Chers amis, nous sommes progressivement en train de finir donc, avec les monnaies en leasing. Hein, les monnaies en leasing. Nous allons directement partager avec vous quelques sites, hein, ou bien les sites de référencement. Les sites de référencement que nous utilisons pour effectuer les analyses, que nous utilisons pour effectuer pour sélectionner les monnaies ou bien pour dire cette monnaie elle est au point ou bien etc de façon plus approfondie, bien sûr, de façon plus approfondie et surtout pour les débutants en tant que débutant, les sites sur lesquels il faut venir pour acheter les monnaies, c'est vraiment important. Donc nous avons CoinGecko. D'accord, nous avons CoinGecko, nous avons CoinMarketCap, nous avons CoinPaprika.com, nous avons CoinMarketCap.com et pour les FTO, c'est-à-dire les fan tokens, nous utilisons généralement FanMarketCap. Voilà, donc d'accord, il faut en comble avec nous, ça va aider surtout dans le thème de savoir quelle disposition CoinGecko nous avons. Tous ces liens vous seront déposés en bas de ce numéro du 26, ici, CoinMarketCap.com, qui est d'ailleurs de crypto-monnaie. D'accord, vous voyez 21 000 et quelques, alors que de l'autre côté, c'est 12. Passez CoinPaprika.com, chers amis. Et donc, après CoinPaprika.com, nous allons enfin vous allez là-dessus, là-bas, ça vous permettra. Voilà, donc, et c'est fiable, c'est-à-dire les scopes, parce que les informations qui passent par ici, c'est des informations vraiment par fan market cap, les fan tokens, vous voyez, dans mon Santos FC, qui a fait déjà 50 cents pour investir 59,8. Ça, c'est SRC Corinthians, vous voyez, 59, c'est vous avez besoin, c'est très important. Chers amis, ce n'est pas inutile de vous rappeler qu'il faut s'abonner, d'accord, qu'il faut s'abonner, je sais que vous le saviez déjà. Vous venez juste ici, vous cliquez, vous êtes abonné. Et puis, par ces parties, vous venez ici également. Nous sommes sur notre nouvelle chaîne en création. Vous venez, vous cliquez juste là. Alors, et vous êtes abonné. C'est vraiment important. Nous allons passer maintenant au scoop hein, de cette semaine. Donc, les informations dont vous auriez besoin pour rassurer. Alors, et le premier scoop, c'est que soyez rassurés, rentrez véritablement hein, ou bien totalement, si vous voulez, dans le game des crypto-monnaies. Donc, pour les achats à l'international, la Russie est sur le point donc, d'accepter les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc, comme vous pouvez le voir, Bitcoin, alors qu'elle légalise la crypto pour les paiements internationaux. Alors, ça, c'est l'une des informations qu'il faut vraiment garder. XRP Wallis, donc les baleines, continuent de s'accumuler. Même si son prix augmente de ici plus optimiste que jamais sur le Bitcoin, alors qu'elle légalise la crypto pour les paiements internes de crypto hub. Le PDG JP Morgan, vous le savez, vous le connaissez bien, l'anti, si vous voulez, Bitcoin, dénonce le Bitcoin et la crypto comme des schémas de Ponzi décentralisés. Chers amis, pourquoi le mouvement cryptographique du Nasdaq jette des articles. Donc, l'intégralité de cette information est à découvrir dans cryptonews.com. Un juge américain ordonne à Twitter de produire des documents financiers pouvant le soutenir, prouvant le soutien de l'USDT. Alors là, c'est dans fibon.com. Le cofondateur de Solana dit qu'Ethereum a encore un long chemin à parcourir. Le merge donc fibon.com, c'est à ce niveau que en fait c'est le site qui nous fournit l'intégralité de cette information. MicroStrategy de M.C. achète la baisse en achetant plus de 300
bitcoin.boulder.com. Nous retournons rapidement sur la Russie. La Russie est plus optimiste que jamais sur le Bitcoin, alors que cette information est à découvrir dans zcrypto.com. Alors, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter pour le compte donc, des scoops de ce lundi 26 septembre 2021. Chers amis, chers investisseurs, vous savez, il y a en ligne de très bonnes choses, mais dans le même temps, il y a de très mauvaises choses. Donc, vous devez savoir qu'en ligne, si quelqu'un se montre gentil envers vous en ligne, la première des choses que vous devez faire, c'est de bloquer simplement la personne. Je dis, c'est de bloquer simplement la personne. Il n'y a pas d'agent facile en ligne. L'agent facile n'existe pas. Donc, si quelqu'un vous contacte, surtout en premier, bloquez systématiquement la personne. C'est très, très, très important. Chers amis, nous allons passer maintenant dans nos portefeuilles pour voir la variation de quelques monnaies. La variation de quelques monnaies. Mais avant, nous allons voir, mais c'est d'abord en revue la capitalisation globale, tout ce que vous devez savoir. Donc, de passer en détail des différentes monnaies, des différentes crypto-monnaies dans lesquelles nous avions sûrement investi. Pour donc, ici, la situation 161, le volume d'échange est de 61,7%, et celle de terreur 7,3%. Point dépôt, liste actuelle, tendance populaire du secteur en ce moment, sont défis et players tour de marché sur les secteurs, tu dois le dire. Donc, c'est important de retenir cela. Chers amis, je m'en voudrais de relative au Bitcoin, c'est-à-dire au minimum du Bitcoin, au maximum du Bitcoin, pourquoi pas de l'Ethereum. Allons y revenir sûrement tout à l'heure. Donc, passons à présent dans nos pour voir un peu la variation des crypto-monnaies, ce qui nous permettra sûrement déjà ici. Donc, passons rapidement en revue cela, 34. Avec le marché sur lequel le BIT 1982, 338 milliards. Le coût a baissé de moins. Et il dispose d'une offre en circulation de 19 millions d'ici, pieds, BTC, pieds de 21 millions. Actuellement, donc, le marché le plus actif, je l'ai dit, c'est BitBox. Et le coût le plus élevé de Bitcoin, 2022, donc environ 11 mois. Et le prix le plus bas dans ce marché-là, d'accord, de référencement, avec 67,81 dollars le jeudi 6 juin 9 ans. D'accord, bon, nous allons rester de voir et le prix le plus bas et le sommet. Et vous aurez de savoir qu'en crypto-monnaie, en fait, savoir la disposition à prendre. Et l'une des dispositions, c'est qu'il faut savoir que quand on vient tirer votre épingle du jeu, encore que là, il faut investir dans des monnaies d'avenir, dans des monnaies utilitaires, dans des monnaies plus. C'est 1308 ou 100. Et dans l'histoire de l'Ethereum, vous dites qu'il faut de 4000. De 4878, date fatidique qui a retenu 2021 à 0,43 dollars. Vous voyez, celui qui a investi 0,43 dollars dans cette monnaie il y a 7 ans, il se retrouve, enfin, à un mois de l'histoire, c'était aller jusqu'à 4800, soit de l'Ethereum, c'est 1300. Et oui, c'est important dans nos portefeuilles pour voir un peu l'évolution de nos monnaies, c'est vraiment important. Et nous allons commencer. Nous allons commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, la valeur actuelle du Bitcoin, ça veut dire le Bitcoin a chuté à 7 jours, moins de 2,3. Nous allons rester avec Ether, donc le stable coin, c'est pas. Nous avons le Tron, 1,23, Binance coin, 0,moins, je viens de grimper, moins 2,49, XRP, moins 3,44, Litecoin, moins 2, moins 3, carrément, moins 2,92, pour ne pas dire moins 3, carrément, encore. La variation donc de nos monnaies dans nos portefeuilles, chers amis, chers investisseurs, nous restons avec Avalanche moins 3, Doge moins 4, Terra moins 15, Solana moins 4,23, NIE moins 3, voilà, Cardano moins 3, Shiba Inu moins 3, Saitama Inu moins 3, Baby Doge moins 2, Shibunobi moins 4, Chiliz moins 9, MyMessage est moins 10, Shiba Lite plus 8, Australian Shepherd Token moins 4, plus 4, Shiba Lite c'est plus 8 s'il vous plaît, Frequent moins 3,
Donc, je leur nomme 3 GMT moins 3, en fait, moins 4 Astro Gros moins, moins 16 Picora moins, moins 2 Tides moins Tides moins voilà. Là, je me perds moins 2 Tides moins 2 carrément. Allons sur, retournons rapidement sur la plateforme là-bas pour voir ce qui se passe réellement. Alors, il y a sûrement un déphasage. Ce qui sort de ce que je dis, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de fournir les informations très vite. Trust Wallet, moins 3, voilà, Bitcoin Z, moins 5, pardon, plus 5, hein, arrive à plus 4, Nest F token, plus 7, Trust Wallet, carrément. Alors, Blackcoin, moins 3, Blackcoin, moins 3, Digibit, moins 3, Einsteinium, moins 3, GoBit, moins 1, Litecoin Cash, plus 2, NEM, moins 4, New York, coin, plus 58, s'il vous plaît, Redcoin, moins 3, moins 4, Smart Cash, moins 2, Smilecoin, moins 3, Syscoin, moins 2, Verge, moins 1, Chiliz, moins 7, hein, et voilà, et pour finir, Bitcoin Z, il faut que plus 4. Le portefeuille, c'est important donc de prendre l'autre, ça vous permettra de savoir les dispositions pratiques à prendre. Passons maintenant dans, allons voir ensuite les actions dans lesquelles vous pouvez investir tout de suite. Mais avant, s'il vous plaît, voilà tout ce qu'il faut apporter pour rendre plus dynamique cette rubrique. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Ça nous permettra également de prendre les dispositions quand on sait et quand. Alors, donc, nous sommes sur le site tradingstart.us, d'accord? Vous venez juste ici. Vous cliquez juste un instant. Je procédure que vous allez suivre une fois chez vous pour pouvoir, donc, en toute tranquillité ou bien en toute quiétude, identifier les informations. Donc, vous verrez juste ici, juste au niveau de Bourse, et vous cliquez là-dessus. Donc, quand vous cliquez là, vous avez donc pratiquement, vous avez toutes les actions, d'accord, de A à Z, d'accord, vous cliquez juste, je clique là-dessus, et paf, vous faites donc, vous regardez les actions à prix des bananes, et donc, vous. Et je mets A, d'accord, dans la barre de recherche là. Pour revenir, on retourne au niveau de la bourse et nous cliquons sur les actions de A à Z, ça se charge. Et d'un instant à l'autre, ça va nous donner la main pour que nous puissions explorer toutes ces actions. Alors, c'est voilà, nous y sommes ici, descendons légèrement. Nous avons donc dans lesquelles nous pouvons investir de façon, nous allons utiliser d'autres stratégies pour retrouver donc les actions dont nous avons besoin. Sinon, ici, c'est des actions qui sont données ici au niveau des cours. Ça, c'est les CAC 20 et 40, donc les plus grosses capitalisations. Non, nous voulons juste les actions à prix des bananes. Nous les étudions et si c'est bon, nous passons à l'action. Donc, on vient ici et j'écris A, toutes les actions qui sont dans la pochette de A. J'ai d'ailleurs toutes ces actions-là. J'écris par exemple, je vais mettre tout au hasard, CGG. D'accord, vous reconnaissez cette action-là. Donc, ça va me donner la main correctement à la liste de toutes les actions. Voilà, c'est un chargement. On wait un peu, on attend un peu. On attend un tout petit peu. D'accord, on attend un tout petit peu. Mais là, ça prend du temps. Ça prend du temps, CGG, ou bien nous mettons en tout hasard, l'action là, CGG, CGG c'est plus. Donc je lance, alors, ça va nous envoyer bien cette action, mais c'est pas, ok, je pense que là maintenant c'est, puis voilà ici vous avez toutes les actions qui commencent par G, et comme j'ai démarré les actions qui commencent par A, et après A, vous avez la suite. D'accord, vous avez la suite, vous avez B. Donc, ça vous permettra d'aller jusqu'en G. C'est une manière encore de numéro sûrement sur d'autres actions et sur d'autres plateformes qui nous permettraient d'avoir une banane, etc. etc. Donc, je vais, si ça tarde à venir, en haut là-bas, on peut déjà mieux, ça va s'afficher, ça va venir. Ça va venir. C'est OK, il est en train de m'embêter là, mais ça va venir. Voilà. C'est un coup. Donc, toutes les actions. Voilà, vous voyez un peu, et voilà, donc
vous sélectionnez ici, ainsi de suite. Ainsi de suite. En parlant des actions appliquées des bananes, nous allons parler de MOS BSA 2014 qui est à 0,010. Vous pouvez facilement acheter Manns Street, d'accord? Cette action est à 0,001. Des actions, d'accord? Quand vous achetez des actions, donc ceci, ça dépend de même 3 zéros. Vous voyez, c'est des actions. Quand vous investissez dans ces actions, c'est plus sûr. Mais attention, quand on investit dans les actions, c'est pour le long terme. Ce n'est pas comme les crypto-monnaies à court terme. C'est vraiment important à partager avec vous. Nous allons passer maintenant sur un autre site qui va nous permettre de répertorier rapidement les grosses entreprises, hein, les entreprises de capitalisation, les entreprises les plus grosses ou bien qui possèdent du sinu.com. Et vous pouvez donc déjà explorer, que ce soit en Afrique, que ce soit, etc. Donc, vous pouvez avoir et dans l'ICI, vous faites vos recherches et vous y entrez. Ici, les entreprises de capitalisation, voir. Et toi, elle est entrée à la bourse en Afrique de l'Ouest. Nous avons Amegen, nous avons Apple. Non. Attention. Donc, je retourne rapidement sur. Je vais recharger rapidement. Je vais recharger à nouveau par des entreprises américaines. Donc, ici, nous avons BRBM. D'accord. Et vous allez voir que les entreprises de cette zone, de cette place boursière, elles attendent un peu. On attend un peu, voir le chargement, ça prend du temps. On attend. Donc, et on verra clairement. Et je rappelle au passage que BRBM a son siège en Côte d'Ivoire. Attention, a son siège en Côte d'Ivoire et ça regroupe. Donc, quand on parle de BRBM 10, c'est les entreprises, les 10 premières grosses, enfin, les 10 premières entreprises de grosse capitalisation. Attention, ce n'est pas seulement 10 entreprises qui, ou 10 sociétés qui ont été listées sur. Cette bourse, non, pas du tout. C'est plusieurs entreprises. Et bien ici, on veut juste voir les 10 premières. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, c'est bizarre. Un instant, je vais essayer à nouveau. Si ça ne s'affiche pas, on va se donner rendez-vous carrément à demain pour y revenir. Voilà, je viens de lancer à nouveau. Ça ne s'affiche toujours pas. On ira voir les entreprises, les 40 premières grosses capitalisations là, en Europe. On parle de CAC 40. Donc, allons chercher dans la liste ici, CAC40. CAC40, voilà, CAC40 ici, on sélectionne. Et on va voir, et pourquoi mon cher continent, je clique, ça ne marche pas, c'est bizarre. Voilà, donc ici, vous avez Hazard, vous avez Crédit Agricole, vous avez Orange, vous avez Société Générale. Donc, par ordre de capitalisation, vous avez les 40 premières grosses entreprises européennes. On parle de CAC. Mais allons sur... Dow Jones, d'accord, Dow Jones pour voir les entreprises américaines intervenant dans le domaine de la technologie, donc le numéro 1 ou bien la première entreprise c'est Apple, vous voyez, selon la capitale de Soft, nous avons etc., hein, Coca-Cola, etc., etc. Donc ici c'est un mélange, on peut le dire comme ça, hein, c'est un mélange. Allons voir maintenant les entreprises qui interviennent dans le numérique. Et là nous allons parler nous allons parler de Nasdaq, d'accord, les entreprises qui interviennent dans le numérique aux États-Unis, d'accord. Donc ici, Nasdaq 100, nous avons Apple qui est présente, nous avons Amazon, etc., Tesla. Donc selon le classement, d'accord, selon le classement. Donc nous avons Apple, AMD, Nvidia, Amazon, Tesla, Intel, Microsoft, Meta Platform, Alphabet, etc., etc., les 5 premières entreprises intervenant dans le numérique. Et là, on est aux États-Unis. Passons maintenant, revenons, hein, on doit revenir encore, on va revenir sur BM, parce que là, c'est chez nous, les jours à venir pour les prochains numéros, nous allons explorer d'autres marchés africains. Et voilà, donc je reviens encore une fois. On clique là-ci, voilà, je pense que là maintenant c'est bon. Ça s'est chargé. Voilà, donc on a Eti, on a Société Générale de quoi là déjà, Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire. Nous avons Onatel, nous avons Société Nationale des Télécommunications du Sénégal. Nous avons EcoBank. Et puis, pour définir tout simplement la richesse ou bien la richesse d'un pays, si vous voulez, en tenant compte donc, de ces chiffres, on voit clairement les sociétés, on voit clairement les entreprises. Bon, en fait, on ne peut pas raisonner en ce thème-là, non, pas du tout. Et donc, bref, c'est ce qu'il faut retenir. Nous avons Total Côte d'Ivoire, nous avons Bolloré Africa Logistics, etc., etc. Nous avons EcoBank également. Chers amis,
Voilà un peu ce que nous tenons à partager avec vous pour le compte donc, de ce premier numéro. C'est nouveau, nous sommes au début et il faut savoir que c'est toujours impossible hein, jusqu'à ce que l'on le fasse. Cette citation nous vient de Nelson Mandela. Et n'ayez pas peur d'avancer lentement, mais ayez peur d'être immobile. C'est un proverbe chinois. Chers amis, mettez en commentaire, dites tout ce qui vous taraude l'esprit, comment vous aimeriez qu'on procède pour que vous puissiez tirer davantage à profit. Mettez en commentaire si vous avez des propositions. Après, ça nous permettra donc de renchérir les choses, d'améliorer les choses, etc., etc. C'était votre humble serviteur, Nyonyon. C'est le premier numéro de notre rubrique Écho de nos portefeuilles. On se donne rendez-vous pour un autre numéro à très, très, très vite.